31 communes regroupées en 3 communautés de communes, Talmondet, Pays des Achards et Pays Moutierrois, ont engagé une démarche ambitieuse. Celle de bâtir un schéma de cohérence territoriale sur des problématiques dont les enjeux dépassent les limites administratives de chacune. Hausse démographique rapide, étalement urbain, accentuation des déplacements, modification des modes de vie. Il s'agit de définir les orientations d'aménagement qui permettront aux habitants dès demain et à l'horizon 2030 de se loger, travailler, se déplacer, se rencontrer, s'alimenter dans les meilleures conditions d'équilibre et de soutenabilité. Les SCOT sont obligatoires en ce sens que si on n'a pas de SCOT au 1er janvier 2017, on ne pourra pas ouvrir de territoire à l'urbanisation. Donc il est important d'avoir un SCOT, mais je pense que le SCOT, bien au-delà de ce que je viens de dire, il permet de réfléchir à l'avenir de son territoire. Réfléchir, d'une part, bien sûr, pour l'urbanisation, mais bien au-delà, au niveau des transports, au niveau de l'environnement et au niveau bien du devenir de ce territoire. Nous sommes un territoire qui connaît une croissance démographique importante et l'INSEE prévoit une augmentation importante de la population vodéenne sur la zone rétro-littorale que nous occupons. Donc je crois qu'il était important de réfléchir à l'avenir, au devenir de notre territoire. Jusqu'à présent, les services de l'État assuraient gracieusement, pour le compte de nos communes, l'instruction des autorisations du droit des sols. Après le dépôt de la demande en mairie, ils l'étudiaient et vérifiaient sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune. À compter du 1er juillet 2015, ce service cessera. C'est pourquoi, avec les maires du territoire, la communauté de communes a créé un service qui œuvrera pour les 9 communes du Talmondet. Les instructeurs recrutés seront simultanément mutualisés et mis à disposition des communautés de communes du Pays des Achards et du Pays Moutierrois. Cette coordination permettra de sécuriser les services ADS. L'objectif est d'assurer un service de proximité aux habitants, les informer et les conseiller sur les procédures d'urbanisme en lien avec leurs projets, instruire les dossiers en veillant à la sécurité juridique. À noter que la mairie restera le point de contact pour le retrait des documents et le dépôt des demandes de permis de construire. Et donc il a fallu d'une part recruter des agents, c'est 3 agents et demi qui ont été recrutés au niveau de la communauté de communes, et ces agents instruiront vos permis de construire à partir du 1er juillet prochain. Alors, c'est un bel exemple. D'une part, ce sont des agents qui viennent du Talmondet, pour 3 d'entre eux. Ensuite, c'est un bel exemple de mutualisation. Vous savez que la mutualisation, c'est le mot à la mode. C'est ce que nous demande l'État depuis un certain nombre d'années, puisqu'il faut même établir un schéma de mutualisation. Eh bien, c'est un bel exemple de mutualisation qui a été réalisé ici, par les élus et par les services de la communauté de communes pour mettre en place ce service à partir du 1er juillet. En 2013, la communauté de communes s'est dotée d'un système d'information géographique. Outil d'aide à la décision pour une gestion mutuelle du territoire, il permet de consulter le plan cadastral informatisé, les plans des réseaux d'éclairage public, d'eau potable, les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, les sites inscrits et classés et les zonages d'urbanisme. Interactif et évolutif, il permet d'intégrer de nouvelles données et de créer des couches d'informations pour la gestion des lotissements, des espaces verts, des plans de balayage. L'administrateur SIG de la communauté de communes assure un accompagnement quotidien des agents des communes par des formations régulières, des réunions d'assistance technique et une animation permanente du réseau des utilisateurs. Ce qu'on demande à SIG, c'est qu'il soit évolutif et c'est qu'il réponde à vos besoins. Alors, c'est pour ça qu'en 2015, le SIG verra une application au niveau des espaces verts, également au niveau des plans de désherbage, pour le patrimoine arboré également avec une étude réalisée en lien avec le lycée des Établières, et puis un portail grand public. Je pense que ce que nous souhaitons tous, c'est pouvoir consulter un zonage au niveau de l'urbanisme, savoir, est-ce que demain je peux aller me promener à tel endroit et quel cheminement je peux prendre. Voilà ce que nous attendons tous et c'est ce que nous allons mettre en place en 2015 pour vous.
la communauté de communes, compétente en matière de communications électroniques d'intérêt intercommunal, participe à la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Porté par le Conseil général de la Vendée, ce projet a pour objectif d'assurer une desserte en très haut débit pour la totalité de la Vendée d'ici à 2025 via le déploiement de la fibre optique. Pour le Talmondais, il s'agit d'assurer une montée en débit pour les zones les moins bien desservies, de raccorder à la fibre optique les sites d'intérêt général et les zones d'activité économique. La communauté de communes met en place des actions de développement économique intéressant l'ensemble du Talmondais. Elle dispose de deux ateliers relais situés dans la zone industrielle du Paty à Talmont-Saint-Hilaire. Un de 242 m² et un autre de 330 m². Ces locaux sont loués en priorité à des créateurs d'entreprises, moyennant un loyer modéré pour une durée maximale de 3 ans. Nous sommes devant les deux ateliers relais de la communauté de communes. Ces ateliers relais d'environ 600 m² doivent permettre aux entreprises, aux futurs créateurs d'entreprises, de se lancer à travers leur activité. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise Fitalia qui a donc les deux locaux, les deux ateliers relais, qui est une entreprise, la première entreprise du Talmondais de fitness. Et donc c'était le coup de pouce donné par la communauté de communes à une entreprise toute jeune pour se lancer dans son activité. En décembre 2012, les élus ont décidé de mettre en place un partenariat avec l'association Initiative Nord-Ouest Vendée pour soutenir la dynamique locale de création et de reprise d'entreprise et consolider l'activité économique talmondaise. Il s'agit d'accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur démarche en leur facilitant l'obtention des financements nécessaires à la réalisation de leurs projets. Les activités éligibles sont l'artisanat, le commerce, l'industrie, les services aux particuliers et aux entreprises, les activités connexes à l'agriculture. Après avoir évalué la viabilité économique du projet et la capacité du porteur à être chef d'entreprise, un prêt d'honneur à taux zéro est proposé. Sans caution ni garantie personnelle, il s'échelonne de 1 500 à 10 000 euros et est remboursable sur une période allant de 1 à 5 ans. Chaque entrepreneur est parrainé par un chef d'entreprise. Innove, c'est une très belle association dont la communauté de communes du Talmondais est partenaire et abonde financièrement pour son fonctionnement. Le principe, c'est d'aider les créateurs d'entreprises à créer leur entreprise à travers notamment des prêts à taux zéro, l'aide à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises. Très concrètement, quelques chiffres. En 2013, c'est 7 entreprises qui ont pu être aidées. En 2014, 10 entreprises. Donc dans le climat et le contexte morose, c'est vraiment un moyen très concret, très efficace, très pragmatique pour aider les entreprises à se développer et à se lancer. Inauguré le 5 septembre 2011, le RAM itinérant du Talmondais a pour mission d'informer les assistantes maternelles, tout comme les parents, de les mettre en relation, de créer des échanges entre les familles et les personnes qui accueillent leurs enfants. Le relais organise des animations et propose, sur les 9 communes du Talmondais, des matinées d'éveil aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Des permanences régulières se tiennent dans les locaux de la communauté de communes à Talmont-Saint-Hilaire. Les assistantes maternelles bénéficient d'un accompagnement dans le domaine de l'éducation, d'informations sur les droits et devoirs liés au métier, d'un accès à des documentations sur la petite enfance. Pour les parents, le relais est le lieu idéal pour rechercher une assistante maternelle. Ils dispensent de précieux conseils pour préparer le contrat d'accueil de leur enfant et envisager les points à aborder avec leur futur employé. Il leur permet enfin de s'informer sur la réglementation en tant qu'employeur. Pour l'année 2014, 96 matinées d'éveil organisées avec une moyenne de 15 enfants par matinée, 2 soirées d'échange sur les pratiques professionnelles, une soirée d'information sur la thématique du contrat de travail et un spectacle de Noël, Mon Jardin des 4 saisons, par la compagnie Fais pas ci, fais pas ça. Alors en 2015, il y a 6 séances de psychomotricité et également 3 soirées d'échange sur les pratiques professionnelles. Il va y avoir au mois de juin une sortie gratuite offerte donc à toutes les assistantes maternelles. Il y a déjà des inscriptions qui sont faites. Et il est envisagé de faire un forum, la date n'est pas du tout précise pour le moment, pour faire connaître justement aux usagers toutes les possibilités, toutes les structures qui existent sur le Talmondais.
Et comme chaque année, il va y avoir en fin d'année, au moment de Noël, une animation également offerte à toutes les assistantes maternelles et surtout aux enfants. Ouvert le 17 mars 2015, le lieu d'accueil enfants-parents du Talmondais est un espace de jeu et de socialisation pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'un parent. C'est également un lieu de parole où parents, enfants et professionnels se rencontrent dans la convivialité. Un espace d'écoute et d'échange pour aborder les questions et les situations qui les interrogent. Les futurs parents y sont les bienvenus. L'accès est gratuit et ne nécessite pas de réservation. La confidentialité, l'anonymat et la neutralité y sont garantis. Les familles des 9 communes du Talmondais y sont accueillies par des professionnels de l'écoute, de 9h à midi, les mardis au centre périscolaire de Talmont-Saint-Hilaire, jeudi au pôle culturel de Grosbreuil et vendredi à la salle Jean Bastard de Longeville-sur-Mer. En ce qui concerne la Marelle, les premiers retours sont encourageants et le service semble très apprécié autant des parents que des enfants. Il est proposé seulement depuis le 17 mars dernier et le LAEP a déjà connu un franc succès et a reçu 60 adultes environ et 68 enfants. Chaque année, notre collectivité apporte son soutien à l'ADMR. Cette association apporte une aide quotidienne aux personnes âgées ou handicapées du Talmondais, mais aussi aux familles. Nous versons une subvention au Centre local d'information et de coordination du littoral pour lui permettre d'accompagner les personnes âgées et leurs familles. Nous accompagnons financièrement l'AMAD du Talmondais qui dispense des soins infirmiers à domicile auprès des personnes âgées et handicapées. La communauté de communes est dotée d'une aire d'accueil permanente des gens du voyage et d'une aire dédiée à l'accueil des grands rassemblements conformément au schéma départemental de la Vendée. Elle en a la gestion depuis juillet 2007. Elle assure cette compétence en lieu et place des 9 communes du canton. L'aire d'accueil permanente, située au lieu-dit Les Rogues, offre 10 emplacements avec sanitaire et douche. Le taux d'occupation 2014 s'établit à 31,37% contre 41,37% en 2013. Au cours des 3 dernières années, la communauté de communes s'est employée à moderniser le service historique de gestion des déchets hérité de l'ancien CIVOM avec un double objectif. Répondre aux besoins actuels de la population talmondaise avec une qualité de service adaptée et maîtriser le coût des opérations de collecte qui relèvent directement de sa responsabilité. Pour y parvenir, la communauté de communes a investi dans la technicité en se dotant d'outils de suivi lui permettant d'optimiser l'exploitation de ses services. Géré en régie depuis 2005, le service de collecte des ordures ménagères mobilisait jusqu'en 2012 un effectif de 14 agents permanents avec des fréquences de collecte maintenues à un niveau élevé toute l'année. Grâce aux puces électroniques équipant les bacs fournis aux ménages, un suivi précis des présentations de bacs a permis de mettre en évidence le fait que ce niveau de service était devenu surdimensionné au regard des besoins réels des habitants. Ainsi, les fréquences de collecte ont pu être ajustées une première fois en 2012 et à nouveau en 2015. Aujourd'hui, le service de collecte en porte-à-porte fonctionne avec 7 agents permanents et un renfort d'une dizaine d'agents contractuels pour la saison. Le parc de matériel roulant a également été réduit à 5 bennes à ordures ménagères contre 7 précédemment. La réduction des fréquences de collecte en porte-à-porte a été facilitée par les conteneurs enterrés installés sur le territoire depuis 2012. Les 29 bornes à disposition permettent en effet de faire face aux besoins supplémentaires ou occasionnels et ont capté en 2014 environ 16% du gisement total d'ordures ménagères. Les bennes à ordures ménagères ont d'autre part été équipées en 2013 d'un dispositif de géolocalisation permettant d'optimiser les circuits et de réduire le kilométrage parcouru. Conjugué au dispositif d'identification des bacs, cet outil embarqué, utilisé pour le guidage des chauffeurs à partir des cartes désormais informatisées, a en outre eu un impact positif sur les outils de collecte et la gestion des relations avec les usagers. Cette nouvelle organisation de service a permis une meilleure maîtrise des dépenses d'exploitation et incidemment une inflexion des taux de taxes qui seront appliqués en 2015 sur les ménages du territoire. Dans cette même optique d'amélioration de services et de maîtrise des charges, la communauté de communes a décidé de reprendre en régie au 1er janvier 2014 la collecte des bornes de tri. Les véhicules ont également été équipés d'un dispositif de géolocalisation développé spécifiquement pour ce type d'activité. Les chauffeurs renseignent ainsi à chaque vidage le taux de remplissage des bornes et ces données permettent de faire évoluer les fréquences de vidage et de calibrer au mieux les circuits.
Après une année d'exploitation, l'expérience semble réussie puisque la nouvelle organisation a permis d'éradiquer les débordements récurrents qui ternissaient l'image du territoire, tout en stabilisant les charges d'exploitation du service malgré la progression continue des tonnages collectés. À noter également qu'un agent intervient dans le cadre de la Brigade Verte pour assurer l'entretien des pieds de colonne et l'enlèvement des dépôts sauvages. Les trois déchetteries situées sur les communes de Talmont-Saint-Hilaire, Jarre-sur-Mer et Les Bernards viennent compléter les outils de collecte proposés aux usagers du territoire. Suite à la décision de prendre en régie directe l'exploitation des trois sites au 1er avril 2012, un programme de travaux de réhabilitation fut engagé et dès avril 2013, les déchetteries furent placées sous vidéoprotection. L'objectif visé était avant tout d'améliorer l'accueil des usagers, de contenir les vols et effractions et de tranquilliser le fonctionnement de ces sites qui reçoivent de plus en plus de public. Trois agents permanents sont affectés à ce service. L'effectif est doublé sur la période d'avril à septembre. Le placement sous vidéosurveillance, combiné à la réfection des clôtures de chaque site, a eu un effet dissuasif sur les visiteurs nocturnes et a permis de sécuriser en journée les agents en charge du gardiennage. Les dispositifs de contrôle d'accès ont également été remis en état en 2014, parallèlement à l'instauration de la facturation des apports professionnels. Cette dernière a d'ailleurs contribué à réduire la pression fiscale sur les ménages. Parmi toutes les réalisations de l'année 2015, un projet est à retenir, c'est la recyclerie. Ce dispositif va permettre le réemploi d'objets encore en bon usage, mais qui ne sont pas indispensables, qui sont un peu inutiles à leurs propriétaires. Afin de permettre le bon fonctionnement de cette nouvelle activité, la collectivité a embauché un agent, et ce jusqu'en mois de décembre, fin de l'expérimentation. Cet agent réceptionnera les objets, les remettra en état et participera à la vente et fera une vente ouverte au public à partir de juillet 2015, et ce jusqu'en fin décembre 2015. Afin de mettre ce dispositif en place, sur chaque déchetterie de la communauté de communes, un caisson de 30 mètres cubes va être déposé pour pouvoir accueillir les objets. Deuxième chose, dans les anciens locaux techniques communautaires, ils vont être rénovés pour pouvoir permettre l'accueil des objets, la remise en état et la vente. Et enfin, un camion avec un haillon va être acheté pour pouvoir transporter des différents sites de déchetterie à la recyclerie. Et les deux objectifs que vise la communauté de communes, c'est d'abord la diminution du volume des déchets et puis l'entrée dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Depuis 2011, la communauté de communes gère la compétence assainissement non collectif en lieu et place de ses communes membres. Il s'agit notamment d'organiser les contrôles obligatoires pesant sur les propriétaires d'installations d'assainissement individuel. Mais la collectivité a souhaité aller plus loin en intégrant, en janvier 2014, la compétence facultative réhabilitation des installations. Devant les difficultés rencontrées par les particuliers pour conduire les travaux de mise aux normes de leurs dispositifs, les élus ont en effet décidé de mettre en œuvre des actions d'accompagnement en lien avec les nouvelles dispositions inscrites au 10e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Sur le Talmondais, on compte 3517 assainissements non collectifs. Sur les 3517, 3390 ont été contrôlés. On a 39% de conformes, 41% de non conformes, mais pas à réhabiliter dans l'immédiat, et 17% de non conformes à réhabiliter sans délai. Sur les 584 non conformes à réhabiliter en priorité, une subvention est accordée par l'Agence de l'eau, pilotée par la communauté de communes, à hauteur de 50% avec un maximum de 4 000 € de subvention pour des travaux de 8 000 €. Dans un premier temps, ce sera les communes de Longeville, Le Bernard, Poiroux et Grosbreuil qui seront impactés par la mesure. Et ensuite, toutes les communes de la communauté de communes, sauf la commune de Talmont, qui n'est pas considérée comme une commune rurale. Il est prévu sur les 3 ans une réhabilitation de 250 assainissements non collectifs. Et ensuite, on continuera le programme sur l'ensemble des communes. Pour accompagner les communes dans l'entretien de leur voirie, la communauté de communes a mis en place depuis l'été 2014 un service de balayage et de désherbage avec l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice et de 2 micro-balayeuses manuelles. Cette action s'inscrit dans le cadre de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire talmondais et a bénéficié de subventions de l'Union européenne et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Outre la mutualisation de moyens matériels, cette initiative a été voulue par les élus communautaires pour harmoniser les pratiques d'entretien de voirie sur les 9 communes de la communauté. Chaque commune a ainsi recours à ce service en fonction de ses besoins. La balayeuse aspiratrice en année 1 va être mobilisée au total 1350 heures. Des plans d'intervention ont été formalisés en lien avec le service SIG de la collectivité pour le suivi et la programmation des interventions. Un agent est mobilisé à temps plein sur ses prestations. Il est renforcé sur une à deux journées par semaine à partir de la saison estivale où les besoins d'intervention sont plus élevés. Là aussi, l'acquisition de tel matériel, nécessitant un entretien soigné, n'aurait pu s'envisager sans un atelier mécanique intégré. Située sur les rives du lac de Finfarine à Poiroux, la Folie de Finfarine est un site idéal pour se sensibiliser à la nature en explorant le monde des abeilles. Une invitation à explorer la nature de façon ludique et pédagogique. La gestion du site est assurée par l'association Abeilles, Miel et Nature. Il abrite une salle d'exposition de 150 mètres carrés, une miellerie, un rucher, un espace de 10 hectares avec des parcours de découverte, un parc avec des serres, des animations autour du miel, des abeilles, de la nature et une boutique qui a bénéficié de travaux d'agrandissement réalisés par la communauté de communes en 2013. Nous allons fêter cette année les 20 ans de la Folie de Finfarine, et donc qui a vu en 2014 26 000 visiteurs, ce qui est un score excellent. Et c'est un site qui voit tous les ans des nouveautés. L'an dernier, 2014, eh bien, l'aire de jeu a été créée. Cette année, eh bien, ça sera un nouveau jeu de piste, une nouvelle exposition photo. Et 2016, eh bien, on vous réserve là aussi eh bien, des nouveautés. Le Talmondet dispose d'un réseau de cheminements doux, relativement dense, riche et varié, qui permet de découvrir un patrimoine naturel et un patrimoine historique authentique et remarquable. Plus de 100 km de voies cyclables et 150 km de sentiers pédestres y sont recensés. En partenariat avec l'Agence de services aux collectivités locales de Vendée, un diagnostic de ces cheminements a été opéré en 2013. Ce travail a débouché sur la mise en place d'une boucle des mégalithes et sur la construction d'une nouvelle offre talmondaise pour satisfaire aux attentes des habitants et des vacanciers. En partenariat avec les communes d'Avrillé, Le Bernard, Longeville-sur-Mer, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard et Jard-sur-Mer, une nouvelle boucle des mégalithes, sécurisée et balisée, a vu le jour en juillet 2014. D'une longueur totale de 37 km, elle relie les communes entre elles et permet à Avrillé, au Bernard et à Saint-Hilaire-la-Forêt de se connecter au littoral. Elle dispose de plusieurs points de départ pour permettre à chacun de construire son itinéraire pour mieux apprécier les paysages du Talmondet et la richesse de son patrimoine. En 2015, donc, 5 nouveaux circuits cyclables vont être ouverts. Il s'agit de circuits sur Avrillé, Le Bernard, Jard, Talmont et Poiroux. Et j'en profite pour saluer le travail du comité de pilotage qui a travaillé pendant 2 ans, d'abord pour recenser tous les circuits sur le Talmondet, et puis dans un deuxième temps pour choisir et ensuite baliser donc 5 circuits que je viens de nommer. Et puis également, 2015 verra 22 sentiers piétonniers qui là aussi seront aménagés avec des dépliants adaptés pour que vous puissiez et vous promener sur le Talmondet et également, si vous avez envie, prendre votre vélo. Loisir de plein air, le géocaching consiste à rechercher un trésor dissimulé dans un lieu remarquable ou pittoresque. À l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, l'objectif est de trouver l'emplacement d'une boîte contenant un carnet de passage et des petits objets. La communauté de communes, dans le cadre d'une action du nouveau contrat régional porté par le syndicat mixte des pays du Talmondet, des Achards, Moutierrois et Maroillais, accompagnée par Atmo Studio et Valexcar, 2 géocacheurs confirmés, a ainsi mis en place le premier Géotour de France. Ce dispositif a été inauguré par la communauté des géocacheurs au cours du week-end de l'Ascension 2014. Plus de 230 explocacheurs y ont participé.
Souhaitant valoriser les atouts patrimoniaux du Talmondais, la communauté de communes a missionné Slide Photo pour la réalisation d'un reportage complet sur le Talmondais. Les visuels ont été fournis aux offices de tourisme pour préparer leur documentation 2015 et illustrer le territoire sur leur site internet. Pour la première fois, les 9 communes et les 5 offices de tourisme du territoire ont fait le choix d'une communication globale sur le Talmondais. Ainsi, les prémices d'une destination touristique Talmondais Côte de Lumière furent-elles jetées dans l'élaboration de Destination Vendée 2015. Depuis 25 ans, le Cairn s'attache à initier le public à la préhistoire tout en valorisant le patrimoine de notre territoire. Les médiateurs du centre sont missionnés pour faire découvrir la préhistoire aux écoles, aux habitants et aux vacanciers. Pour valoriser le patrimoine talmondais, notamment mégalithique, et proposer des activités culturelles. Ils proposent une approche pédagogique, scientifique et ludique qui s'appuie sur un parc équipé d'une signalétique interactive abritant un habitat néolithique, des chantiers de fouilles, un jardin où sont cultivées les plantes aromatiques et médicinales de nos ancêtres, puis un musée avec une exposition permanente, voyage en préhistoire et des expositions à l'année. Des ateliers participatifs, feu, chasse, outils, poterie, déplacement de menhir, cuisine. Des événements en hors saison, comme la nuit des musées, les journées du patrimoine de pays, journée du patrimoine et la fête de l'hiver. Et enfin, des événements en saison comme les lundis d'initiation. En 2014, le centre a accueilli 21 557 visiteurs, dont plus de 7000 enfants. Donc toujours en mouvement, le Cairn cette année propose des nouveautés. La première étant les randonnées nature et patrimoine. Ce sont des promenades au sein du canton dans lesquelles on découvre les paysages et les sites préhistoriques. L'atelier parure en autonomie à l'intérieur des bâtiments où chacun pourra à sa guise créer ses bijoux avec les matériaux préhistoriques. L'espace habitat nomade du paléolithique. Les mercredis des petits où les animateurs proposeront des contes et légendes préhistoriques. Un support pour découvrir en autonomie les mégalithes du Talmondais et des nouveaux horaires mieux adaptés à l'attente du public. Pour 2015, pour les 25 ans du Cairn, une nouveauté a été créée sur le site. C'est le spectacle semi-nocturne qui aura lieu le 23 et 24 juillet, 19 et 20 août à 21h, intitulé Oulka Meden ou bien le Grand Rassemblement. Cette représentation chorégraphique et théâtrale nous plongera dans les temps anciens de la préhistoire qui était rythmée avec la nature et les croyances. Je tiens à remercier les partenaires et les bénévoles ainsi que les agents de la communauté de communes pour leur implication pour cette représentation. Basée sur un inventaire ayant répertorié plus de 3000 sites remarquables, une signalétique Petit Patrimoine fut mise en place en 2011. Elle est composée de 81 panneaux d'interprétation installés dans les 9 communes du territoire et est relayée par un dépliant intitulé « Histoire à suivre ». Depuis 2011, l'événement Le Talmondais fête son patrimoine propose chaque deuxième week-end de juin des visites animées du patrimoine local. En 2014, elles se sont tenues à Jarre-sur-Mer et à Talmont-Saint-Hilaire. Un concert salsa, donné en extérieur au pied du moulin de la Conchette, vint clore la journée. Débutée en 2014, l'étude d'opportunités pour la mise en réseau des bibliothèques du Talmondais se poursuit. La bibliothèque est une demande que m'avaient fait les bénévoles qui s'occupent de cette association et que je leur avais promis d'inscrire comme projet à élaborer pour 2015. En apprenant que dans le Talmondais, il était question de travailler sur cette mise en réseau de bibliothèques, j'ai trouvé opportun et j'ai levé la main pour que la première audite se passe à Avrillé. Repérer un peu les outils dont on disposait, essayer de préciser ce qu'on attendait de cette mise en réseau. Il pourra s'agir donc de réservations, de mise au point des tarifs uniques, de cartes d'accès uniques, d'envisager un transport même des livres qui vont être réservés pour garder cette possibilité de proximité à une population qui, elle, n'a pas la possibilité d'aller même à 5-6 km d'ici. Donc ce sont des choses qui sont réfléchies et je trouve tout à fait pertinent de le réfléchir dans un niveau un peu plus collectif. Après 12 ans de services informatiques rendus au Talmondais, le Cybercentre a fermé ses portes le 27 mars 2015.
Chaque année, nous apportons notre soutien aux manifestations ayant un rayonnement intercommunal, comme Marais Express, Terre à la mer, Estival de la Voix. La communauté de communes gère un ensemble de bâtiments en lien avec les compétences qu'elle exerce. Citons notamment les bâtiments du Cairn, centre de la préhistoire à Saint-Hilaire-la-Forêt, et de la Folie de Fanfarine à Poirou, qui ont l'un et l'autre bénéficié de programmes de travaux d'aménagement ou d'extension au cours de l'hiver 2012-2013. Concernant le Cairn, géré en régie par les équipes de la communauté de communes, l'année dernière, donc, il a été refait l'entrée et cette année 2015 va être marquée par la création d'un théâtre de verdure pouvant accueillir entre 300 et 400 personnes pour l'organisation de spectacles. Le coût de ce dernier aménagement se chiffre à 64 000 euros TTC. Alors qu'on a également les ateliers relais, hôtels d'entreprise, à Talmont-Saint-Hilaire, attachés à la compétence économique de la communauté de communes, ont également fait l'objet de travaux de mise en valeur début 2014. L'ancien siège de la communauté de communes a été rénové en 2014 également pour être loué au SCOT et au CIMTAM. Les anciens locaux techniques vont prochainement être réhabilités pour héberger la future recyclerie. Enfin, concernant le siège de la communauté de communes, les travaux d'extension des bureaux viennent d'être engagés pour revoir les nouveaux services communs d'urbanisme. Les travaux d'un montant de 49 000 euros TTC consistent à la création de 50 mètres carrés de bureaux supplémentaires destinés à recevoir 3 postes de travail et une zone d'accueil pour les usagers. La communauté de communes du Talmondais a la chance d'avoir un budget très sain, avec un taux d'endettement très faible et une fiscalité également très faible, la plus faible de Vendée. C'est une chance pour aborder cette période où l'État nous demande de contribuer à l'effort de redressement de ses finances que nous avons entamé depuis 2014 et que nous allons devoir poursuivre jusqu'en 2017. Le montant que l'État nous donnera plus sera de 2 millions d'euros, qui représente environ un tiers des dotations qui étaient attribuées à l'ensemble des communes ainsi qu'à la communauté de communes. Cet effort important, pour limiter son impact, nous allons sans doute devoir travailler différemment et entre autres changer la fiscalité de notre collectivité pour adopter à partir du 1er janvier 2016 la fiscalité professionnelle unique qui nous permettrait de bénéficier de dotations bonifiées de 20 à 25%. Bien sûr, ce changement entraînera également un changement au niveau de la collecte des impôts, puisque nous devrons collecter l'impôt des entreprises. Je rassure les communes ne seront pas lésées pour autant, puisque une photographie des recettes fiscales des entreprises 2015 sera faite, et il y aura une redistribution par le biais de compensations intégrales à chaque commune du territoire. Par contre, ces avantages de dotation bonifiée seront pérennes dans le temps que si effectivement la communauté de communes s'engage dans de nouvelles compétences pour permettre de préserver l'augmentation de son coefficient d'intégration fiscale et permettre de maintenir les acquis financiers que nous aurons mis en place par le biais de ce changement de fiscalité.